Comment tu veux travailler sérieusement ici? Déjà, t'as vu le téléphone, t'as fait... Bonjour. On va voir qui? Maroucha. Nous, on n'est pas historiens et il y a plein de détails qu'on ne connaît pas. C'est le plus grand oued, en fait, du Maroc. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On repart de Tamnougast, direction les dunes de Tinfou, où on va aller voir. On va voir qui? Maroucha. Et voilà, on va aller voir le dromadaire. Alors on va vous montrer la jolie petite route de Agdès à Zagora, dans la vallée du Dra. Vous allez voir, c'est super beau. Et on va arriver... Et oui, on va aller voir d'autres dromadaires aussi. Et on va aller voir... On va aller arriver... Oh, je vais y arriver, hein, il m'a coupé. Et on va aller aux dunes de Tinfou. Pas si avec la GoPro, je vais le voir. Oh, si tu peux le voir avec la GoPro. Magnifique, hein. Elle est belle celle-là. C'est là, il y a un restaurant apparemment celle-là. Enfin, on n'a pas été voir. Apparemment celle-là, on ne peut pas la visiter. C'est un restaurant à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Vous allez voir sur la route du sud principalement, on voit quand même beaucoup plus de palmeraies. Il y a énormément de palmeraies et les constructions sont pas tout à fait les mêmes. Alors là ici, vous voyez, ça se modernise, hein, quand même, un petit à petit, mettre des parpaings et tout ça à la place. La majorité des habitations sont restées en briques de terre. Ils sont aussi plus conservateurs. Hein. Et là, vous voyez, hop. Maintenant, ils mettent des parpaings maintenant petit à petit, puisqu'ils essayent de refaire les habitations puisqu'elles s'abîment, mais ils les recouvrent quand même de terre. Hein. On essaiera de vous montrer vraiment de près comment c'est fabriqué. Après, là, beaucoup à l'abandon parce que ils ont beaucoup déménagé en fait sur les grandes villes. Alors, ce qu'ils appellent les caravanes, en fait, c'est les dromadaires, hein, les chariots de dromadaires, mais les colonies de dromadaires, en fait, enfin, c'est convois de dromadaires, voilà, chercher le Touareg, terme. En fait. Voilà, exactement. Avec des vrais Touaregs, en fait. Voilà, puisque en fait, vous avez pu entendre parler de la polémique un petit peu du Sahara. En fait, ce qu'il y a, c'est que les habitants du Sahara n'avaient pas de zone prédéfinie où ils habitaient. Ils n'avaient pas de territoire. Ils se déplaçaient, en fait. C'était des nomades, en fait, à la base. Donc ils se déplaçaient un petit peu partout et ils venaient ici dans les villages pour échanger les bijoux qu'ils travaillaient contre de la nourriture. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils venaient ici, donc pour les échanges commerciaux. Et maintenant que les échanges commerciaux se sont arrêtés avec... Bah, disons que pour faire simple, avant il n'y avait pas de frontières. Oui, voilà. Avant il n'y avait pas de frontières. Ils traversaient l'Afrique d'est en ouest pour faire du commerce. L'Algérie, le Mali, tout ça, c'est... Il n'y avait pas de problème, en fait. Il n'y avait pas de frontières, donc ils faisaient. On va pas refaire l'histoire, Et maintenant, avec les guerres de territoire... Maintenant, c'est compliqué. Voilà. On va dire. Et c'est pour ça aussi que les villages ont beaucoup été laissés à l'abandon, du coup, puisque maintenant, les familles ont dû partir dans des grandes villes pour pouvoir trouver d'autres moyens de vivre, en fait. Ben voilà, c'était pour vous faire une petite explication. Après, on n'est pas historien, hein, donc clairement, pour avoir vraiment les points sur l'histoire, je vous assure qu'il y a beaucoup mieux, il y a des émissions, il y a des reportages qui font ça beaucoup mieux que nous. Voilà. Mais pas France 5, hein.
Ouais, c'est ça. Non, franchement, il y a des reportages qui expliquent très bien et qui valent le coup d'être regardés. Nous, on n'est pas historiens et il y a plein de détails qu'on ne connaît pas. Et il y a plein de détails qu'on ne connaît pas. Et vu qu'on ne les connaît pas, qu'on ne connaît pas l'histoire du pays parce que ce n'est pas notre pays d'origine. Et même si on connaît certaines choses, on n'a jamais le fond de vérité. Donc. Non plus. Donc, plutôt que de dire des conneries, on ferme notre bouche. Ah là, vous voyez bien la palmeraie là. Et donc, il y a le drap qui passe. Au milieu là-bas, voilà, et donc c'est pour ça que c'est la vallée du Drin hein, qui part donc de Marrakech, enfin des montagnes de Marrakech jusqu'à Mamid en fait. C'est le plus grand oued en fait du Maroc. Il est là, juste derrière. Bah, voilà, vous voyez, regardez, le voilà le Drin. En fait, tout ça, il y a encore, et nous on l'a connu, il restait de l'eau. Hein. Il y avait de l'eau. Ouais. Il y a 6 ans quand on est venu, il y avait encore un petit peu d'eau, mais très peu. Hein. Et on en a reparlé hier avec le guide à Tamougalt. C'est ce qu'on vous a expliqué un petit peu dans la dernière vidéo sur la route, c'est qu'ils avaient de l'eau ici, ils avaient des cultures, ils avaient plein de choses, jusqu'à ce que le barrage à Ouarzazate soit construit. Et quand ils ont construit le barrage à Ouarzazate, et bien ici ils se sont retrouvés complètement restreints en eau, c'est-à-dire que l'eau est stockée à Ouarzazate, et de temps en temps on leur donne de l'eau. C'est comme la France, c'est comme l'Espagne, c'est un peu comme tous les autres pays du monde en fait. Il y a de moins en moins de pluie, donc il y a de moins en moins d'eau. Exactement ça. Ça se complique de plus en plus. Ça devient très compliqué partout en fait. Je voulais vous filmer et vous montrer, parce que c'est vrai que vous nous entendez parler des Ksar et des Kasbah, mais en fait on n'a pas expliqué la différence entre les deux. En fait, le Ksar, c'est un village fortifié. Et la Kasbah, c'est en fait la maison principale en quelque sorte qui est au centre du Ksar en fait. C'est la maison de la famille principale. Du Ksar en fait, et le Ksar c'est le village fortifié. Si on fait des erreurs, faut pas hésiter à nous le dire dans les commentaires hein, pour expliquer. Hein. Oui, bah oui, l'erreur est humaine, hein, on a le droit de se tromper, mais normalement là l'explication est bonne. Par contre, la palma elle devient plus moins verte. Hein. Ouais. Bah là par contre, on voit qu'elle est immense. Elle devient très. On a les montagnes et on commence à voir le sable sur les montagnes aussi. Elle commence à devenir très jeune la palma. Ouais, elle a chaud. Hein. Et ça manque d'eau. Hein. Bienvenue à Zagora. Bienvenue à Zagora ? Oui. Ah oui, bon. T'as pas vu le panneau Zagora ? Non, je pas. C'était écrit deux fois. Oh, non, moi je fais pas gaffe. Une fois. Bon, alors, à ta décharge, c'était écrit une fois en tout petit et une fois à la main. Moi je roule, non, j'ai pas fait gaffe quand j'étais à Zagora. Et ça s'est légèrement agrandi. C'est un chouïa beaucoup plus grand que ce que c'était Zagora. Ah, si. En fait, ça s'est vache. Wow. Ah si, ça s'est agrandi. Toute la zone là-bas, elle n'existait pas. Hein. La grosse zone. Hein. Là, on va aller à Tinfou et on passera. Ah, si, ça n'existait pas au fond là-bas aussi. En fait, ça c'est l'ancienne ville qu'on connaît, voilà. Et l'autre côté où on était, c'est la nouvelle ville. Et ouais, ça s'est hyper agrandi en 6 ans. Ah, et oui, regarde, tu vois, les bâtiments, c'est pas les mêmes. Les bâtiments sont pas les mêmes. Ça, c'est l'ancienne ville en fait. Et donc ça, c'est la partie où on se baladait. Bah, on était là, mais mince, on sortait, on allait au souk à pied. Il est passé où le... Il est pas si loin que ça. Et en fait, mais ça s'est agrandi sur des kilomètres, Zagora. Nous, on connaissait Zagora. En plus, d'ailleurs, les copains à qui on a dit, bah tu vas voir, bah Zagora, c'est une petite ville. Ouais, c'est immense en fait. C'est devenu hyper grand. Alors, si on dit pas de bêtises, la place, elle est à la mosquée. Ouais, c'est ça, et là on va au camping. Là, si on descend, on va au camping les campings qui sont en bas de Zagora. C'est ça. Là, voilà, elle est là la place. La place qu'on connaît, elle est là. Et donc, nous, c'est là la zone qu'on connaissait en fait, c'est celle-là, c'est l'ancienne ville en fait. On connaît pas du tout la nouvelle ville. Bon, de toute façon, on reviendra pour vous faire visiter Zagora. Oui. Parce qu'en fait, cela dit, nous, je sais pas si ça a vraiment beaucoup changé, on vous le dira. Hein. Mais la vieille ville, nous, c'était un coin Zagora qu'on aimait beaucoup. Ah oui, ça n'a pas changé. Il y a toujours le camping de l'Oasis, là. Allez, c'est la route, là, du Grand Sud. Bon, vous avez dit qu'après, ce serait plat. On s'est arrêté pour mettre de l'eau, là, dans une petite auberge. Et ben, on reviendra y dormir, ils sont tellement gentils.
Il voulait pas du tout qu'on paye l'eau. On lui a dit, écoute, quand on paye l'eau, quand si tout le monde paye un petit peu l'eau, bah tout le monde y ferait un peu plus attention à l'eau. Voilà. Donc l'eau c'est précieux. Puis eux ils la payent aussi, voilà. À moins qu'ils aient un puits, mais quand bien même, peu importe, voilà. Au moins on y fait attention à l'eau. Allez, mais je vais vous montrer la sortie, c'est très étroit. Ça passe de geste, hein. C'est bon, c'est bon. Oh là là, t'as fait tomber les branches du palmier là. C'était chaud la sortie, hein. Ça fasse, mais c'est chaud. Ça gratte un peu. On est où? On a frotté un petit peu le palmier, hein. Bon, ça va, mais. Puis elle voit la grosse dune. Et bien bientôt, alors on va voir celle-là, et après on va aller vraiment encore plus dans le grand désert. Il est très grand celui-là. Celui-là, il est pas très grand. Celui-là, il est pas très grand. Mais il est grand. Mais dans celui-là, il y a Boucha. Mais dans l'autre, il n'y aura pas Boucha. Ah ben non. Mais papa, ah bah oui, mais on va pas s'enfoncer. On va éviter d'aller s'enfoncer dans le sable. On va se garer à côté du sable. Oui, il faudra que tu mettes un chapeau sur ta tête, ah, d'accord, là, parce que ici il y a beaucoup de soleil. D'accord. Même pour jouer aux jouets de plage. Oui. Mais on n'a pas pensé à acheter de la crème solaire pour pas se faire mettre des coups de soleil au bras. Oh ben oh là là, je pense que tu es déjà bien bronzé, ça va. Mais les coups de soleil au visage et au cou. Mais t'es tout bronzé là. Notre peau elle est trop solide. Bon bah on va trouver de la crème alors. De la crème solaire. Oui, on va trouver de la crème. Maman, s'il y a du corail champignon, c'est bien. Parce que le corail champignon, ça a de la crème solaire dedans. Donc on pourra se mettre le corail champignon dessus s'il y en a. Ah oui, d'accord. Alors ici je suis pas sûre qu'on trouve du corail champignon, mais... Je vois ma route, je vous dis. Ça va être compliqué. Mais Marmoud, il a la bouche comme ça. Marmoud, maman. Oui. Marmoud, il a la bouche qui fait comme ça. Oh, mais pas tu les crois? Autres. Ah bon, tu crois qu'il est différent? Marmoud, il a la bouche comme ça. Ah, les oui. Autres, ils ont la bouche comme ça. Marmoud, bon alors, parce qu'attends, parce que le camp, il s'est agrandi. Regardez les dromadaires là-bas. Alors il est où le camp du coup? Ha! Là voilà. Où est la tente? Alors je sais pas, j'aime pas quand Yoyo il est confiant moyen comme ça. Il me dit filme parce que là il a un doute. Il dit il y a un peu de sable quand même. Non, c'est dur en dessous. Ouais, le caillou trouve. En vrai, il y a du sable. Maman. Alors pour la porte, le soleil. Le soleil est là, je le garde comme ça. Le nez vers là-bas? Non, le cul là-bas. Ah, donc demi-tour. Donc comme ça. Ici, là, il y a un peu de sable. Maman. Mais comment je fais pour amener mes jouets là-bas? Attends. Pour jouer au sable, parce que regarde, il est trop loin. Mais on va y aller, t'inquiète pas. Il y a du sable aussi là, avec du petit sable déjà. Mais on va y aller au grand sable, t'inquiète. Non, l'autre côté. C'est Aladdin dans son tapis volant. Comment tu veux travailler sérieusement ici? Oh, je sais pas si vous voyez. C'est soirée cinéma franco-marocain. Ce matin, on va au souk et après on vous fait visiter le camp. Bon, ben voilà, je vais me faire engueuler. Du coup, on a reçu la note H2R. Qui était par rapport à l'ambassadeur H2R, ils nous ont envoyé une note aspirante 48 volts.
Donc du coup j'ai mis un transfo 24-12 pour alimenter la hotte, mais je vais me faire engueuler parce que j'ai rien filmé du tout. Donc j'avais démonté le frigo pour passer le câble, j'avais démonté le garde-manger pour que le câble en fait il passe là-bas derrière pour revenir jusqu'ici. J'ai vidé tous les placards parce que bien sûr pour faire juste passer un câble, il faut démonter la moitié du camion. Donc là je suis en train de remonter les placards de la cuisine parce que c'est pareil, je vais démonter celui-là, voilà. Je suis en train de tout remonter et après je vais attendre Déborah pour qu'elle filme pour la hotte. Mais c'est bon, c'est pour H2R, il faut faire une pub un petit peu spéciale pour eux, là, une petite vidéo spéciale montage et fonctionnement. Donc je vais attendre qu'elle arrive pour filmer, ça sera plus facile. Bon, en attendant, moi j'ai tout préparé, j'ai tiré ma ligne 12 volts et voilà en fait, c'est tout. Et puis après je vais tout ranger parce que c'est le Dawa. C'est le Dawa. Ah, je vous ai pas filmé le souk. Là, je vous ai dit ce matin que je vous montrerai le camp après le souk. Donc voilà, on est allé chercher donc là pour les trois familles. Oh, je pense qu'on a à peu près, je crois de mémoire, qu'on a à peu près 20 kilos de fruits et légumes. Et on a payé donc 95 et 69. On a payé environ 210 dirhams, je pense, pour tout le monde. Donc ça fait à peu près 18-19 euros, voilà, pour à peu près 20 kilos de fruits et légumes. Ah, bah oui, ils te disent qu'au moins pour allumer les biens, faut que tu appuies sur le bouton. Sur le bouton allumé, quoi. C'est ça. Je vous explique. Non, on va vous expliquer. Ouais, mais je l'expliquais tout à l'heure. Ah, mais t'as expliqué. Ouais, mais vite fait. On s'est engagé dans un truc qui est pas pour nous en fait. Non, pas du tout. On a eu on a accepté d'être ambassadeur pour H2R. Et c'est pas des vidéos de partenariat qui sont pour YouTube en fait. Noah, tais-toi. Une seconde, Noah, s'il te plaît. On va pas y arriver. C'est pas des vidéos qui sont pour YouTube, c'est des vidéos qui sont de présentation pour leurs produits, pour les sites internet. Pour essayer de qu'ils vendent leur truc en fait. Sauf que bon, ben. C'est pas ça. Sauf qu'en fait. On dirait un ordinateur portable. Hein, on est un peu. Je suis un peu dubitatif parce que c'est vraiment plastique quincaille quoi. C'est une Madine AliExpress quoi. Ça, ils vendent ça 400 balles sur H2R. On est un peu sceptique là. Franchement, AliExpress, je suis sûr que tu le trouves à 40 euros. En fait, on est un peu sceptique. On sait pas trop comment présenter ça. Enfin, c'est surtout rester sérieux pour cette affaire. Et rester sérieux. Et... Après, ça a l'air de pas trop mal marcher. Hein, oui, mais on verra sur l'utilisation. Quand mais... on lit le truc, bon, elle est en 12 volts, donc de 12 volts. Donc j'ai mis un. Non. J'ai mis un. Donc elle est en 12 volts. J'ai mis un transformateur 24-12 pour faire marcher ça. Le ventilateur, c'est 5 watts, donc c'est pas énorme. Les lumières, c'est 2 watts. Si on allume 2, ça fait 4 watts. Donc 5 et 4, ça fait 9 watts. Donc c'est pas énorme en soi. Elle est capable d'aspirer 45 mètres cubes à l'heure, ce qui commence déjà à faire. Hein. Ça doit booster. C'est un filtre à charbon qu'il y a dedans, c'est pas. Voilà, il n'y a pas d'évacuation en fait. C'est un filtre à charbon, il y a un filtre à graisse aussi qui est censé. En fait, ça recycle l'air en fait. Ouais. Donc ça a l'air de pas trop mal marcher. Bon, qualité finale. La finition qui est pas terrible. La finition quoi. est pas terrible quoi. Donc bon, on verra si ça marche bien. Mais bon, 400 balles ça, j'aurais pas mis 400 balles là-dedans. Enfin, ou si j'avais mis 400 balles là-dedans. Non, pas là-dedans. Non, ça serait arrivé comme ça, j'aurais fait wow, qu'est-ce que c'est. Ouais. Ils sont trompés ça. De produits. Bah, après, on est un peu mal à l'aise du fait qu'on a galéré à la récupérer en fait et que bon, récupérer bah, ça fait des mois qu'on les fait attendre en fait. On devait récupérer ça au mois de décembre. Ouais. Décembre ou janvier. Oh non, quand on était. Ouais, mais déjà quand on était au camping, ça aurait dû arriver quand on était au camping. Ouais, ça a pris du retard. Ça a pris du retard, c'est pas arrivé donc on est parti et pas là. On devait récupérer ça au mois de décembre ou au mois de janvier. Ouais, on est début avril. Ouais, c'est ça. Bref, déjà, bon. Ça l'affiche un peu mal. Donc, mais on va la faire, hein, leur présentation. Mais on va la faire. Il faut mais juste on qu'on est juste. On n'arrête pas. On est juste mort de rire. C'est compliqué en plus. Alors, on est obligé de jouer du sérieux. Parce qu'on sait pas faire. On n'est pas sérieux. Ça a commencé par. Bonjour, regarde, je vous présente ce super pro. Non, mais enfin. Là, franchement. Après, on s'est demandé si on pouvait mettre la musique de K2000 aussi, puisque ça s'appelle CK2000. Ouais, c'est la haute, la domestique, la CK2000. Donc. Bon. On va essayer de faire ça sérieux là. On va essayer de faire un truc sympathique. Bon, on va être anglais Noah d'abord. Ouais, alors avec Noah qui fait du bruit derrière, il va être content. Ça va pas être ça. Déjà, t'as vu le téléphone, t'as fait.
Il va y avoir plus de... il va y avoir plus de montage sur une vidéo, sur de, une 3 vidéo de 3 minutes pour Rise Desert que sur les vidéos les YouTube. Enfin bon, bref. On va y arriver. Coupe, il faut que je prenne un coup. Ah, mais c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Ah. Arrête de rigoler. Mais j'attends que tu commences en fait. Quand je vois ta tête en fait, attends. Mais me regarde pas, me regarde pas. Je te vois en fait. Attends. Bonjour. Ça m'a surprise. Attends, on va y arriver. Tu veux que je filme? Ah, attends, attends, attends. Le GoPro, elle filme. Allez. Attends. Je sais qu'on va faire. Non, mais ce serait pour YouTube, c'est facile en fait. Parce qu'on n'a pas à faire semblant. On n'a pas à faire semblant, ça, on n'a pas droit à jouer. Là, là, c'est dur, faut être sérieux, faut, oui, c'est faut faire semblant quoi. Présentation de produit, donc faut être sérieux. Faut être sérieux. Et aujourd'hui, on vous présente la haute. Je sais plus. Et aujourd'hui, on va vous présenter. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi je rigole? Attends, je vais t'entrer ta tête. Et aujourd'hui, on va vous présenter. On habite. Quoi? J'ai rien fait! J'ai rien dit! Attends, j'ai rien fait! C'est horrible! J'ai la tortue! Nous avons choisi une tortue carapace. Modèle déposé. Marque. Inconnu. Marque tortue. Marque tortue. Modèle carapace. On sait pas trop. Quatre roues motrices. Une petite tête. Avec un cou en peau de couille. Ça, c'était plus facile! Mais oui, quand on dit économie, c'est plus facile. Avec un filtre à charbon actif et un filtre à graisse. 1, 2, 3, hop, allez. Bonjour à tous, aujourd'hui... Non, c'était pas ça. Si, c'est... Non, c'est bonjour. Ah oui, non, c'était bonjour. 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 Non, bonjour à tous, c'est plus doux. Parce que bonjour, bonjour à tous. Bonjour, ça fait... Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, ça fait... Bonjour. Bonjour à Français, tous. Français, française. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous c'est Yoann et Déborah, on habite dans un camion aménagé, qu'on a entièrement aménagé, non c'était pas... Tu sais qu'on a entièrement aménagé. Oui, bon, attends, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon. On espère que cette vidéo vous aura convaincu comme nous. C'était pas mal, mais c'était un peu... il manquait un truc là. Le fait d'y croire. C'est ça qui manque. Ah ouais. On espère qu'avec cette vidéo, comme nous, vous serez convaincu... On recommence pas. Je sais pas si je dois rire ou pas. Oh putain. C'est bien, attends une seconde. Vas-y, allez, c'est la fin. Allez. Non, je peux pas. En fait, on avait oublié que la GoPro est tournée. Le making of ça, ouais, ça c'est le making of H2R, c'est il est en train de défaire les fils. Ah ouais. Et je l'ai jeté par terre pour la vidéo. Bon, je filme pas pour H2R, ça c'est pour vous montrer, on met la haute. Ouais. Et je vous dirai pas, aller l'acheter, c'est trop cher. Bon, non, franchement, il y a grave moins cher. Celle qu'on avait dans l'ancien camion, elle était moins chère. Elle était à évacuation en plus. Par contre, on en a pas trouvé en 24. Hein. Non, en 24 c'est compliqué. C'est hein. Ouais. C'est un fabricant qui regarde la vidéo et qui nous fait une haute en 24 volts et qui veut une présentation de produit. Ouais. Non, par contre, bon, H2R, si quelqu'un passe par là, nous en voulait pas, hein, mais c'est compliqué, hein, on sait pas faire semblant, nous. Hein. Non, c'est compliqué pour nous. Oh, je pleure. Ah, je sais comment je peux te concentrer. Ah non, faire je la vais gueule. Pas être concentré là. En fait, il faudrait qu'on fasse ça. On dit qu'elle consomme pas beaucoup, après on la monte. Je vous avais dit que je vous montrerai le camp, donc je vais en profiter, je vais vous montrer. Abdou vient de nous faire le thé. C'est un peu, ouais, bah, c'est un peu déroutant parce qu'il nous fait le thé, mais vu qu'il y a le ramadan, ils peuvent pas boire le thé. Ah bon, bref, c'est pas évident, hein, ça nous met mal à l'aise en fait pour eux. Voilà. Donc bon, bref, allez, je vous montre. Donc là, il y a une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres. Le restaurant, ça c'est la petite de tente où on boit. Le thé, ça c'est le local technique. Ici c'est la cinquième chambre, celle que Abdou a prêtée aux enfants.
Donc les enfants dorment ici, ils sont super contents. Je vous montre vite fait. Voilà, donc là vous avez un lit, deux lits, trois lits et quatre lits. Ils ont donc aussi, que je vous dise pas de bêtises, cette tente là, c'est une chambre triple avec un lit double, un lit simple. Celle-là c'est une chambre triple avec trois fois un lit simple, avec trois lits simples. Vous avez le petit restaurant, donc ça sert de salle de petit déjeuner pour manger, tout ça. C'est super mignon. Et là-bas, on est en train de boire le thé. Alors, regardez qui c'est qui est là. Vous le reconnaissez? Petit Boucha Mahmoud. Il est bien avec ses congénères là. Il est tranquille. Et mon gros? Ça va les gros? Oui. Ça va bien. Les mouches elles t'embêtent. Hein, les mouches t'embêtent. Bah oui. Pourquoi il met ça? Je sais pas. Attends. Laisse-le. Laisse-le. Ça va Moucha? Moucha. Il fait le tour. Il va chercher, il va les faire boire, je pense. Je vais vous montrer le nouveau dresseur de dromadaire. Ils ont soif. Non, Noah. Ils aspirent quand ils boivent. Comme s'ils avaient des pailles. Ils aspirent comme s'ils avaient des pailles. S'ils écoutent bien ces dromadaires. Hop, il vient tout seul chercher à boire. Et les autres, ils sont partis tout seuls pour manger. C'est allé, mon gros. T'as soif, toi aussi? Oh, bah oui. Mais c'est impressionnant comment ils boivent. Ah, voilà. Ils aspirent, en fait. Moi, je croyais que ça mettait des coups de langue comme les chiens, les chats. Mais non, ça aspire. Alors ici, les journées et les soirées sont rythmées par le thé. Alors, on tourne un coup, on fait thé à la menthe. Thé hibiscus, ça tourne, voilà, on varie un petit peu. Et ce soir, c'est couscous. Oh, le bon couscous. Il veut pas apparaître. Petite soirée tranquille. Avec... Oh, mon amour, il est là. Hop. Et vous allez voir Youssef et Mustapha qui font la musique. De tam tam. Attention, ça rigole pas. Hein. Voilà, hier soir, on a passé une magnifique soirée tous ensemble. On a bien rigolé, on a bien appris, bien discuté. Enfin, c'est toujours chouette ces moments partagés. Voilà. Et puis quoi? Et puis on va arrêter cette vidéo ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo. On vous montre le tour de dromadaire et puis on va peut-être bien s'en aller dans le désert. Allez, on vous dit à bientôt. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus dans le noir. Ne pleure plus, on te tiendra la main. Nous prendrons un nouveau chemin vers mon ami.
Ciao, ciao. Salut.